Ok, c'est bon, viens doucement. Viens. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nafissa Diallo. Tu t'appelles Nafissa Diallo. Oui. Tu fais quelle classe? J'ai fait la 6e année à l'école primaire de Yungo Centre. L'école primaire de Yungo Centre. Tu fais la 6e année. Oui. Ok, mais bon, toi tu n'as pas un vélo, tu marches comme ça? Oui. Tu as besoin des gens pour qu'on t'aide afin que tu étudies ou quoi? Je veux étudier. Tu veux étudier? Oui. Pour devenir quoi? Quelqu'un. Hein? Il faut parler fort. Quelqu'un me bénit. Ah ah. Ça va. Pas de problème. Ton nom, c'est comment? Nafissa Diallo. Nafissa Diallo. Ok, ça marche. Ok, maintenant, monsieur le DC, monsieur le directeur, oui. Voilà, on a vu cette fille handicapée, oui. Vraiment très brave, qui fait la 6e année, qui n'a même pas un vélo, qui a besoin de soutien, qui est ici d'une famille. Très modeste, on a vu comment est-ce qu'elle marche. Voilà, dites-nous, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un soutien pour l'aider vraiment à progresser dans les études? Effectif, ce que vous dites, c'est très effectif. Moi, mon souci, quand je vois la fille venir à l'école, vraiment c'est pitoyable. Je lance un appel à tout le monde, dans le monde entier, pour venir en aide. Au moins pour ses moyens de déplacement pour venir à l'école. Parce que j'ai vu en elle qu'elle veut étudier. Okay. Mais elle n'a pas les moyens pour étudier. Même pour venir à l'école, c'est très difficile pour elle. Donc, aidez-nous. Ah. Aidez-nous afin qu'elle étudie. Ok, voilà comment elle marche. Voilà. Voilà, reviens maintenant. Reviens, voilà. Voilà comment elle marche, elle n'a même pas un sac. Vous avez vu combien de fois ça... C'est pitoyable quand même. Combien de fois c'est pitoyable quand même. Oui. Non? Oui. Ok, il faut saluer les gens au moins. Bonjour. Parle fort. Bonjour, merci. Ça va? Oui, ça va. Mmh. Tu as besoin d'un vélo? Oui. Tu as besoin que les gens t'aident à l'air là pour étudier? Oui. Avancer? Oui. Ok, Inch'Allah, les bonnes volontés ont certainement vu la vidéo. Oui. Peut-être. Il y aura des gens qui sont touchés de voir marcher. Tu fais la 6e année et puis vraiment on sera là encore. On souhaite vraiment de t'aider jusqu'à ce que tu arrives à l'université. C'est ça? Oui. Ok, merci. 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 Ok, tu peux continuer. Ok. Ok, merci. Ok, merci. Bye bye. Merci, merci. Ok, merci. Ok, merci. Tu peux chanter l'hymne national? Chante-toi, je vais entendre. Peuple d'Afrique, les passés historiques, que chante l'hymne de la Guinée Férezène. Il est repopé de nos frères, mort au sang d'honneur, à libérer l'Afrique, les peuples de Guinée, prêts à l'unité, appelle l'Afrique, liberté. C'est la foi d'un peuple qui appelle tous ses frères, c'est la grande Afrique. Liberté, c'est la foi des peuples qui appelle tous ses frères à se regrouper. Partissons l'unité Afrique dans l'indépendance. Montre ton sac aux gens, s'il te plaît. Ah, c'est ton sac? Montre ça, on va voir.
C'est le sac que tu as. Ok, j'espère que les bonnes volontés ont vie. Et on espère vraiment aider cette fille, les unes et les personnes de bonne volonté à l'accompagner. Voilà. Et c'est tout ce que nous pouvons faire quand même. Voilà, je vous remercie. Pour toutes les personnes qui auront besoin d'elle, on va la mettre en contact, on va mettre l'ONG en contact avec les responsables de l'école, avec sa famille de tutelle. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons faire. Je vous remercie. Et puis voilà, on remercie tout le monde. Merci. Ok. Merci.